God bless you this morning. Que Dieu vous bénisse ce matin. I greet you in the name of Jesus Christ. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus Christ. We've got again a privilege to come together in His name. Nous avons eu encore le privilège de nous retrouver ce matin en Son nom. And we are under expectation of His word. Nous sommes dans l'attente de Sa parole. Like God's prophet, He said, "My mission for this earth is." Et le prophète a dit, ma mission pour cette terre est. Is to proclaim the coming of the word. C'est de proclamer la venue du Seigneur. Amen. Which is Christ. Qui est Jésus Christ. And there is a fullness in Christ. Il y a la complétude en Jésus Christ. Amen. And that word is still alive today. Et cette parole est encore en vie ce matin. Amen. That's our Jesus Christ. C'est notre Seigneur Jésus Christ. So God bless you. Que Dieu vous bénisse. Once again, a greetings from our assembly from Poland. Vous recevez les salutations de notre assemblée en Pologne. Amen. I really enjoy yesterday's fellowship with you, with the saints. J'ai vraiment apprécié la réunion d'hier avec tous les saints. And we should know to each other by the word. Mais maintenant nous devons connaître les uns les autres par la parole. Amen. Maybe we don't know each other by the flesh. Peut-être nous ne connaissons pas par la chair. It's not so important. Mais ce n'est pas d'importance. But we've been together before the foundation of the world. Mais nous avons été ensemble avant la fondation du monde. Amen. And we came from eternity. Yes, nous venons de l'éternité. And we are coming back to eternity. Et nous rentrons à l'éternité. Amen. So this is a great joy to understand those things. C'est une joie complète de comprendre ces choses. And we are really bragging on Jesus Christ. Et nous attachons à Jésus Christ. Not on ourselves. Pas de nous-mêmes. But we are bragging on Jesus Christ. Mais nous regardons à Jésus Christ. The ministry of the Son of Man. Le ministère du Fils de l'Homme. The complete unveiling, revealing of God today. La révélation complète de Dieu en ces temps-ci. By the message of Malachi 4. Par la mission de Malachi 4. Amen. Amen. So God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let's open the Bible. Ouvrons nos Bibles. And we start from the book of Galatians. Nous commençons par le livre de Galates. The fourth chapter. Le chapitre 4. First seven verses. Du verset 1 au verset 7. And I would like to just talk on the thought. Aujourd'hui, je vous parlerai sur une petite pensée. Two sons. Deux fils. One adoption. Une adoption. Two sons, deux fils, and one adoption. Et une adoption. And just we'll go deeply to the scripture. Pendant que nous irons en détail dans les écritures. Sometimes just verse after verse. Des fois un verset après un autre verset. Just to be sure of God. Juste pour être sûr de Dieu. And we are so thankful that that Bible became a new book. Et nous sommes tellement contents que cette Bible est devenue un nouveau livre. Amen. It's completely a new book. Et c'est un nouveau livre pour nous. For years, that book just brought a condemnation to our lives. Pendant des années, cette livre a amené des contaminations dans notre vie. Because this is a strict word of God. Parce que c'est la parole stricte de Dieu. Amen. And we know that no one is able to fulfill the word of God. Nous savons que personne n'est capable de confirmer la parole de Dieu. Without the Spirit of God. Sans avoir l'Esprit de Dieu en lui. But since the Spirit of God came to us. Vu que le Saint-Esprit de Dieu vient vers nous. We look on the same book from a different perspective. Nous regardons le même livre mais d'une façon différente. Because he justified us. Parce qu'il nous a justifiés. He made a way for us to follow him. Il a créé un chemin pour que nous puissions le suivre. And we've been just a people, natural people. Nous sommes juste des gens naturels. But we recognize that we are the children of God. Mais nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu. We are sons and daughters of God. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. And the light has come in the evening time. La lumière du temps du soir arrive. And Jesus Christ opened the book for us. Et Jésus-Christ a ouvert le livre pour nous. He opened all seals. Il a ouvert tous les sceaux pour nous. He opened the book of redemption. Il a ouvert le livre de la rédemption. And now we understand. Et maintenant nous comprenons. Who we are. Qui sommes-nous? Because the light has come. Parce que la lumière est arrivée. The eyes has come. Les yeux sont arrivés. The prophetic eyes. Les yeux de prophète. And Christ opened the book for us. Et Christ a ouvert les yeux pour nous. So now we can understand the mystery of God. Et maintenant nous pouvons comprendre le ministère de Dieu. The mystery of Christ. Nous pouvons comprendre le mystère. That was unveiling of God. Tout le mystère d'ouverture de Christ. Because the Christ is the mystery of God unveiled. Parce que Christ c'est le mystère de Dieu révélé. But out of Christ. En dehors de Christ. Went out a different mystery. Out of Christ went out a different mystery. Le mystère de Christ qui est en dehors d'autres mystères. Mystery of the bride. Le mystère de l'épouse. That they are one. Et ils sont un. And it's also manifested that hour. Et il a été manifesté dans notre heure. So we are so privileged. Nous sommes privilégiés. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let's read from the Bible. Lisons la Bible.
Book of Galatians, 4th chapter. Le livre de Galates, chapitre 4. And the first 7 verses. Les premiers 7 versets. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. But is under tutors and governors until the time appointed of the father. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. But when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçussions l'adoption. And because you are sons, God had sent forth the spirit of his son into your hearts, crying, Abba, Father. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then a heir of God through Christ. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier parce que héritier par la grâce de Dieu. And now the book of Ephesians, first chapter. Nous irons dans le livre des Éphésiens, le premier chapitre. From the fourth verse. Au verset 4 jusqu'au verset 6. Ephesians, first chapter. Éphésiens, premier chapitre. From the verse 4. À partir du verset 4. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. To the praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. And now verse 9 and 10. Maintenant le verset 9 et 10. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he had purposed in himself. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon la bienveillance, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. That in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celui qui sont dans les lieux, dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. It's so blessed just to listen to the word of God. Nous sommes tellement bénis juste en écoutant la parole de Dieu. It's such an honor and blessing and privilege for us. C'est tellement un honneur et un privilège pour nous. To know that God is the word. De connaître que Dieu c'est la parole. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let's pray together. Amen. Prions ensemble. Amen. Precious Heavenly Father, notre Père céleste, we deem this as a great privilege to be here. Nous reconnaissons que c'est un grand privilège d'être ici. Not because of us. Pas par cause de nous. Though we really love to have a fellowship. Même si nous avons envie, nous aimons adorer ensemble. We love to see each other. Nous aimons être ensemble. We are so thankful to be Christians. Nous sommes reconnaissants d'être chrétiens. But Lord Jesus, we are here this morning. Mais Seigneur Jésus, nous sommes ici ce matin. To honor your resurrection. D'honorer ta résurrection. And we are eyewitnesses of your resurrection. Nous sommes les témoins de ta résurrection. Because you said, because I live, you will live also. Parce que tu as dit, parce que je vis, et vous vivrez aussi. And we are here this morning as a alive people. Et nous sommes ici ce matin en tant que des gens vivants. We've been quickened. Nous avons été réveillés by the spirit of resurrection. Par l'esprit de la résurrection.
To be eyewitnesses in the last days. D'être les témoins dans ce temps de la fin. So Lord Jesus, we are here because of your word. Alors Seigneur Jésus, nous sommes ici à cause de ta parole. To hear, thus say the Lord. D'écouter ainsi dit le Seigneur. And we are so thankful that you sent us, thus say the Lord. Et nous sommes tellement reconnaissants que tu nous as envoyé c'est ainsi dit le Seigneur. Because you sent us the message of the last days. Parce que tu nous as envoyé le message du temps de la fin. And it was vindicated. Et il a été confirmé. With a divine vindication. À par une confirmation divine. We receive a perfection. Nous avons reçu la perfection. Because we received a perfect interpretation of your word. Parce que nous avons reçu une interprétation parfaite de ta parole. That's the reason we believe this book became a new book. C'est pour cela que nous croyons que ce livre est devenu un nouveau livre. It became a marriage certificate for us. Et c'est devenu un certificat de mariage pour nous. There is no condemnation coming out of that book. Il n'y a plus de condamnation pour nous à travers ce livre. But just a perfect faith. Par juste la foi parfaite. By the perfect word. Par la parole parfaite. Coming from the perfect God. Venant du Dieu parfait. To the church that was perfected. Pour une église qui a été rendue parfaite. By the message of Son of Man. Par le message du Fils de l'homme. Lord Jesus, deal with us. Seigneur Jésus, sois avec nous. We need you more than ever before. Nous te voulons plus que jamais en cet instant-ci. Because we are living in the perilous days. Parce que nous vivons dans un temps difficile. We are still walking through the Satan's Eden. Parce que nous marchons encore à travers l'Éden de Satan. But we are not part of that Eden. Mais nous sommes pas part, nous faisons pas partie de cet Éden. Because we are part of the another Eden. Parce que nous faisons partie d'un autre Éden. By your choice and your predestination. Mais par ton choix et par ta prédestination. Speak to our souls, Lord. Parle à notre âme ce matin, Seigneur. Quicken the word for us. Réveille la parole pour nous. Make it more real for us. Rends la parole réelle pour nous ce matin. As we want to just give you praise and honor. Alors que nous voulons juste te remercier. And we turn this meeting completely under your control. Nous laissons cette réunion sous ta coordination. For the glory and honor of Jesus Christ. Pour la gloire et pour l'honneur de Jésus Christ. We ask for that in the name of Lord Jesus Christ. Nous demandons cela dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 God bless you. Take a seat. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Just you have to forgive me that you know the English language is not my mother language. Je vous prierai de me pardonner parce que l'anglais c'est pas ma langue maternelle. So I cannot express myself the way I would just do it in my own mother language. Je pourrais pas m'exprimer de la façon dont je pourrais le faire avec ma langue maternelle. But we know that this one that messed up all the languages. Mais nous savons qu'il y a celui qui a créé toutes ces langues. He is here. Il est ici ce matin. He came down. Il est venu, il est descendu. And he gave us a new language. Et il nous a donné une nouvelle langue. We have a new language. Nous avons une nouvelle langue. Which is the language of the Holy Spirit. Qui est la langue du Saint-Esprit. Amen. We've got his own thoughts. Nous avons attrapé sa pensée. We've got his own words. Nous avons eu sa propre parole. And this is a new thought. Et ça c'est une nouvelle pensée. This is a new words. C'est une nouvelle parole. We've got a new message. Nous avons un nouveau message. We've got a new land. Nous avons un nouveau pays. The Holy Spirit is completely new for us. Le Saint-Esprit est tout nouveau pour nous. Because we never know him as we know him today. Parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit aussi bien que nous le connaissons maintenant. This is still the same God. Il c'est encore le même Dieu. But he's unveiling himself more and more. Mais il se révèle lui-même de plus en plus pour nous. You remember like Brother Bosford, he said once to Brother Branham. Et vous savez quand le frère Bosford disait au frère Branham une fois? He said, Brother Branham. Il s'est frère Branham. You are completely new Branham. Il a dit, tu es encore un Branham tout nouveau pour nous. You are completely new. Tu es un Branham tout nouveau. Amen. Amen. Something happened in his ministry. Quelque chose s'est passé dans son ministère. Brother Bosford, he said. Frère Bosford dit. To Brother Levi. Il a dit au frère Levi. Brother Lee. Lee. I prayed for 40 years. J'ai prié pendant 40 ans. To see ministry of Christ reproduced in the church. Voir le ministère de Jésus-Christ reproduit dans l'église. In the human flesh. Dans la chair humaine. And my eyes can see that. Et mes yeux peuvent le voir. Amen. It was a ministry of the Son of Man. C'était le ministère du Fils de l'homme. The Son of Man. Le Fils de l'homme. Was revealed. Révélé. In a ministry of a Son of Man. Révélé dans le ministère d'un Fils de l'homme. And he's still the same. C'est encore le même. He's living in his bride. Il vit dans son épouse. He's living in his church. Il vit dans son église. Because these two are one. Parce que de ces deux sont un. Because the head came down. Parce que la tête est venue et descendue. To be reconnected with the body. D'être reconnecté avec le corps. Amen. We've been together in eternity. Nous avons été ensemble à l'éternité. But we were separated for the certain span of time. Mais nous avons été séparés pendant un certain temps de temps. By the ministry of reconciliation. Mais par le mystère de la réconciliation. Redemption. La rédemption. Made possible for us to be reconnected with our God. La rédemption nous a permis d'être reconnectés encore. So I would like to talk this morning. So, ce matin, j'aimerais parler about the redemption. De la rédemption. Which is not a replacement. Qui n'est pas le remplacement. But the restoration.
Ben, l'Afrique par la restauration. Something was lost. Quelque chose qui a été perdu. If Joseph was lost, si Joseph était perdu, then Joseph will never be replaced by Andrew. Alors Joseph ne pourrait jamais être remplacé par André. But that Joseph will be restored. Mais Joseph sera restauré. Amen. Amen. This is a redemption. C'est la rédemption. Not the replacement. Non, pas les remplacements. But the restoration, something was lost. La restauration, parce que quelque chose était perdu. If the Mary was lost, si Marie était perdue, then Mary doesn't matter how evil she was. Ça n'a pas d'importance combien mauvaise elle était. How complicated was her character? Combien son caractère était mauvais? How was no hope in the eyes of the others? Combien elle n'avait pas d'intérêt dans les yeux des autres. That the Mary will be ever restored. Mais Marie sera toujours restaurée. But never Mary will be replaced by Susan. Mais Marie ne sera jamais remplacée par Susan. No. It was Mary was lost. C'est Marie qui était perdue. And then Mary is going to be restored. Et Marie sera restaurée. And this is redemption. Et c'est ça la rédemption. With the two parts. Il y a deux parties. Of delivering out of something. C'est déjà d'être pris en dehors de quelque and chose. And placing into something. Et puis d'être placé dans quelque chose. And we want to really use the story of the prodigal son. Et nous voulons utiliser l'histoire du fils prodigue. To understand the story of redemption. De pouvoir enfin comprendre l'histoire de la rédemption. That this is not a replacement. Que c'est pas un remplacement. But this is redemption. Mais c'est la rédemption. Amen. Amen. He was born as a son. Il était né en tant que fils. And he was restored. Et il a été restauré. Being the son. En étant fils. But he was a prodigal son. C'était un fils prodige. And on and the end of the story, he is an adopted son. À la fin de l'histoire, il a été un fils adopté. Amen. He was born as a son. Il était né en tant que fils. But on the end of the story, et à la fin de l'histoire, he's going to be adopted son. Et il va être un fils adopté. Amen. Amen. And this is really connected with our hour. Et c'est ça c'est en connexion avec ce qui se passe maintenant dans notre temps. Because the adoption, parce que l'adoption, by restoration, par restauration, by the placing, par remplacement, is one of the mysteries that was revealed in the last days. C'est un des mystères qui a été révélé dans ces temps de la fin. The mystery of the redemption, le mystère de la rédemption, which is a complete restoration, qui est une restauration complète, even with a double portion, même avec la double portion. Amen. 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 You know, there's a little type of drama story. Vous savez, il y a une espèce d'histoire dramatique. That maybe typifies the things that we want to talk about this morning. Qui typifie l'histoire de quoi on va parler ce matin. And it happened before the foundation of the world. Ça s'est passé avant la fondation du monde. A little drama. Une petite histoire. Just to paint something. Juste pour vous donner une idée de ce qui se passe. And God wanted always to hide himself. Dieu voulait toujours se cacher lui-même. Before the man. Avant l'homme. So before the foundation of the world. So avant la fondation du monde. He had the desire to hide himself. Il avait le désir de se cacher. Before the unbelievers. Avant que les incroyants. And to reveal himself before the believers. Devant, ouais. Dieu avait l'habitude de se cacher devant les croyants et devant les incroyants. So he called a certain council. Et so il a appelé un conseil. And there was the angels and the cherubims. Il y avait les anges, il y avait les chérubins. But there was four of them, the main ones. Et il y avait quatre d'entre eux, les principaux. And the God, he asked them about the idea. Dieu les a demandé à propos d'une idée. If they've got any concept how to hide him before the man. Comment il peut se cacher devant les hommes. So one of the archangels said. Un des archanges dit. Oh God, I've got the idea. I would like to hide you on the top of the Mount Everest. Il y a un des anges dit, j'ai une idée, j'aimerais te cacher au-dessus du mont Everest. And God said, no, just one day, I know will be some explorers, they will just climb up over there. It's not a good place, the man would find me finally there. Dieu dit, non, je sais qu'un jour, il y aura des explorateurs qui iront sur le mont Everest, il y a d'office quelqu'un qui me trouvera au-dessus là-bas. And the second archangel said, et le deuxième archange dit, I would like to hide you on the desert. Il dit, j'aimerais te cacher dans le désert. Maybe it's a Sahara desert. Il dit, ah, ça c'est dur le désert. Said, no, one day the man will just come there. Parce qu'un jour, les hommes viendront aussi dans le désert. And they would find me there. Et ils me trouveront là-bas de toute façon. It's not the best concept. C'est pas le meilleur endroit. And the third one said, et le troisième dit, I would like to hide you on the bottom of the ocean. Il dit, j'aimerais te cacher sous l'océan. More than 10,000 meters on the bottom. Plus bas que 10,000 mètres dans le profondeur. Oh no, I know one day I can see that clearly. One day the people will just come down. Dieu dit non, je vois, je peux le voir que quand un jour les gens iront sous l'eau, ils me reverront là-bas. But there was a voice of the fourth archangel. Et il y avait la voix du quatrième archange. And he said, I've got an idea. Il dit, j'ai une idée. I would like to hide you, O God. J'aimerais te cacher tout Dieu. Before the men. Devant les hommes. In the man. Dans l'homme.
I would like to hide you before the man in the man. J'aimerais te cacher devant les hommes dans l'homme. I will look for you. Ils te chercheront certainement. Search through time. Pendant un certain nombre de temps. But they will never find you. Mais ils ne te trouveront jamais. Because I suggest that you can be hidden in the man. Parce que je propose que tu sois caché dans l'homme. Before the eyes of the man. Devant les yeux des hommes. And God said that's a good idea. Dieu dit ça c'est une bonne idée. It will be my pattern. Ici ça sera mon modèle. I'm going to use it all the time. Et j'utiliserai ce modèle pendant tout le temps. I will hide before the man. Je me cacherai devant les hommes. In the man. Dans l'homme. Amen. 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 So Brother Branham he said. Frère Branham me dit. If you understand that God's thoughts are eternal, si vous comprenez que la pensée de Dieu est éternelle, you will understand many things. Vous comprendrez beaucoup de choses. Many things. You will understand the predestination. Vous comprendrez la prédestination. You will understand the new birth experience. Vous comprendrez la nouvelle naissance, l'expérience de la nouvelle naissance. You will understand the baptism of the Holy Spirit. Vous comprendrez le baptême du Saint-Esprit. Which is in fact the same experience. Qui en soi est la même expérience. You will understand the sanctification. Vous comprendrez la sanctification. You will understand the case of the church. Vous comprendrez les cas de l'Église. You will understand the false anointed ones. Vous comprendrez toutes les forces unies en une. You will understand many things. Vous comprendrez beaucoup de choses. You will understand what is a real family. Vous comprendrez c'est quoi une vraie famille. What it means to be a real father. Que vous comprendrez ce que c'est être un vrai père. You will understand the sonship. Vous comprendrez sonship. La notion du fils. You will understand everything. Vous comprendrez tout. If you understand that God's thoughts are eternal. Si vous comprenez que les pensées de Dieu sont éternelles. And whatever we can see a manifestation of God in certain age. Tout type de manifestation que nous pouvons voir de Dieu dans un âge donné. It was always expression of eternal thoughts of God in time. C'est toujours une expression de la pensée éternelle de Dieu à un moment donné. And it's no difference today. C'est pas différent d'aujourd'hui. We are living in a time when God expressed His eternal thoughts for today. Nous vivons dans un temps où Dieu exprime sa pensée éternelle à un moment. And we know that the thought expressed is the word. Nous savons que la pensée exprimée c'est la parole. And God wanted to always express His word in flesh. Dieu a toujours voulu exprimer sa parole dans la chair. Not just in flesh. Non, pas seulement dans la chair. But so much that the word became flesh. À tel point que la parole devienne la chair. And finally, the flesh will become the word. Et la chair devienne la parole. Amen. And this is a closed circle. C'est un cercle complet. Amen. This is eternity. C'est ça l'éternité. This is God Himself. C'est ça Dieu lui-même. So God, He wanted to express Himself. Dieu a toujours voulu s'exprimer. And we want to just go now to the Saint Luke 15. Nous allons aller dans le livre de Luc 15. And we'll just go just verse after verse. Nous irons verset après verset. Quite slowly. Doucement. Just to let you understand redemption. Tel que vous pouvez comprendre la rédemption. What is a redemption? C'est quoi réellement la rédemption? And how the redemption leads to adoption. Comment la rédemption amène à l'adoption? Amen. Amen. And so the Saint Luke 15. Le livre de Luc. It's the story of the prodigal son. C'est l'histoire du fils prodigue. But we know that in order to get the message, nous savons que dans le but d'avoir le message, you need a contrast to the message. Nous voulons un contraire au message, contraste. Yeah, you cannot paint a white pencil on the white board. Tu peux pas peindre en blanc sur un tableau blanc. You need to get a blackboard. Nous avons besoin d'un tableau noir. To write a white pencil. Afin d'écrire en blanc dessus. And then you will get the message. Et ainsi le message sera apporté aux personnes. Because of the contrast. Parce que nous voulons le contraste. Amen. Amen. So we can see that Jesus, he was focusing that story on the prodigal son. Nous avons vu que Jésus est en train de se concentrer sur cette histoire du fils prodigue. But also he mentioned the other son. Mais il a aussi mentionné un autre fils. He was also son. C'était aussi un fils. He was the oldest son. Et c'était le fils aîné. But he was just a born. C'était juste un qui était né. He was just something to contrast. Il était juste quelqu'un afin d'avoir un contraste. And we want to notice now the seven steps of fall. Nous allons voir les sept étapes de la chute. Of the prodigal son. Partant du fils prodigue. And he was a son from the beginning. Il était un fils au début. So he was the son always. Il a toujours été un fils. But we will notice the seven steps of fall. Nous allons voir les sept étapes de la chute. And
While he comes to the place of realization, et quand il est arrivé au point de la réalisation, and we'll call it a new birth experience, et nous allons appeler ça la nouvelle naissance, and then we'll see seven steps of his graduation, et nous allons voir les sept étapes de la graduation, how he is promoted by seven steps, où il a été promis par sept étapes, and is coming to a complete adoption, afin d'arriver à une adoption complète, and he was the son from the beginning, il était un fils pour commencer. Doesn't matter what he did. Ça n'a pas d'importance ce qu'il a fait. But he was the son. Mais il était un fils. We will see how he lost the pattern. Nous allons voir comment il a perdu le modèle. The pattern of the father to follow. Il a perdu le modèle de fils pour But tomber. He never lost his sonship. Mais il n'a pas perdu ce concept de fils. Il a toujours été fils. But he had to go through a very painful process of the remolding his character. Il a dû passer à travers des expériences difficiles afin de modeler son caractère. In order to be able to handle with the potentials and the gifts he received from the beginning. Afin de pouvoir gérer mieux les dons qu'il a reçus au début de son père. So the Saint Luke 15. Dans le livre de Luc 15. From the verse 11. À partir du verset 11. And Jesus said, a certain man had two sons. Il dit encore, un homme avait deux fils. So it was two sons. Il y avait deux fils. But we focus on one. Mais nous allons nous concentrer sur un seul. But we have to also see the other. Mais nous verrons l'autre aussi. To see the value of the real son. Nous verrons la différence par rapport au fils réel. The younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. So now we can see the first manifestation of the fall. Nous voyons la première manifestation de la chute. We can see a self-will of the son. Nous voyons la volonté personnelle du fils. How he is approaching the father? Comment il approche son père? And he's aware I've got an inheritance. Il est conscient qu'il a un héritage. Because I am the son of my father. Parce que je suis le fils de mon père. And so he said, just give me my portion. Il a dit, donne-moi ma portion. Give me the goods. Donne-moi les biens. Give me the potentials. Donne-moi le potentiel. Give me the gifts. Donne-moi les biens. Give me the power. Donne-moi le pouvoir. And he divided unto them his living. Et le père leur partagea son bien. And not many days after the younger son gathered all together. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout amassé. Now we can see the selfishness. Voilà l'égoïsme. He gathered all together. Il a tout rassemblé. He manifests his selfishness. Il montre son égoïsme. He is the son. Il est le fils. He's got an inheritance. Il a eu un héritage. He's got a gift. Il a eu le don. But we can see the second step of fall. Et on voit la deuxième étape de la chute. Because being a son, he's a without right kind of character. Parce qu'être un fils sans caractère. To handle the position he had from the beginning. Il a manqué le caractère pour pouvoir gérer la position qu'il avait au départ. And that's the problem with the absolute majority of the churches. Et ça c'est ça le problème avec la plupart des églises aujourd'hui. This is the main problem with the majority of the Christians. Ça c'est le problème avec la majorité des chrétiens ce matin. If they are Christians. Parce qu'ils sont chrétiens. And they don't have a character. Mais ils n'ont pas le caractère. They are absolutely not able to handle with the power that God gave to the church. Alors ils ne sont pas capables de pouvoir gérer le pouvoir que Dieu a donné dans l'église. We don't need more power, friends. Nous n'avons pas besoin de plus de pouvoir. The supreme power of God is in the church. Parce que le pouvoir suprême de Dieu est dans l'église. The problem is to have a character. Mais le problème c'est d'avoir un caractère. To handle with that power. Pour pouvoir manier ce qu'est le pouvoir. And without a man with the power and without the character. Mais nous savons qu'il y a un homme avec un pouvoir mais sans caractère. Is becoming satanic. Et il devient satanique. Amen. And this is very difficult. Et ça c'est très difficile. But we can see that in the scripture. Parce que nous pouvons le voir à travers l'écriture. How even the son, comment même le fils, being born in the right family, étant né dans une bonne famille, can be possessed by the satanic power. Il peut être possédé par des pouvoirs sataniques. And that's really in the life of the prodigal son. C'est ça le fils, l'histoire même du fils. It's just so obvious, scripture after scripture. C'est tellement clair, écriture après écriture. If you are Christian, si tu es chrétien, you are Christian because you are always Christian. Si tu es chrétien parce que tu es chrétien parce que tu as toujours été chrétien. But you are not recognized as a Christian. Mais si tu n'es pas reconnu en tant que chrétien. As long as you are living a worldly life. Aussi longtemps que tu vis une vie du monde, une vie mondaine. We've been Christians always. Nous avons toujours été chrétiens.
Because being a son of God, you must be a son always. Parce que étant fils de Dieu, tu as toujours été fils. But we didn't know that. Mais nous ne savions pas. We've been living far away from the knowledge of being a Christian. Parce que nous vivions très loin de la connaissance d'être chrétien. But one day something happened. Mais quelque chose un jour s'est passé. When the voice of God spoke to you. Quand la voix de Dieu vous a parlé. And you recognized. Et vous avez reconnu. I am Christian. Je suis chrétien. I am son of God. Je suis fils de Dieu. I have nothing to do with this world. J'ai rien à faire avec ce monde. With the perverted world of Satan. Ce monde perverti de Satan. Amen. Amen. Revelation came to you. Et la révélation est venue à vous. That you've been son from the beginning. Que vous étiez fils depuis le début. But now we can see that in the 13th verse. Nous pouvons voir au verset 13. And the second step of fall. La deuxième étape de la chute. Now we can see he's falling down, 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 down. Nous pouvons voir qu'il tombe bas, bas, bas et bas. By seven steps. À travers cette étape. And he took his journey into a far country. Et puis il partit pour un pays éloigné. This is the third step of fall. Ça c'est la troisième étape de la chute. It's called separation. C'est la séparation. The son is separated from his father. Le fils est en train de se séparer de son père. When you come to the point, quand vous êtes arrivé au point, that you are separated from your father, que vous êtes séparé de votre père. If you are separated from your house, si vous êtes séparé de votre maison, from your heavenly house, de votre maison céleste, from your heavenly father, de votre père céleste, if you take decision to go in another direction, si vous prenez la décision de partir dans une autre direction, it will be a step of fall. Ça sera une des étapes de chute. And he is on the way. Et il est en chemin. But on the wrong way. Et mais il est sur le mauvais chemin. Being the son. Mais tout en étant fils. And there wasted his substance with the riotous living. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Verset 14. When he had spent all. Lorsqu'il eut tout dépensé. He spent all. Il a tout dépensé. Sensuality. Il a la sensualité. Carnality. Tout ce qui est cher, charnel. Using the power. En utilisant le pouvoir. His power was the money. Son pouvoir c'était l'argent. Because the money is certain power. Parce que l'argent a un certain pouvoir. Thus there are so many people. Parce que nous avons beaucoup de gens. It seems like they're all right. On a l'impression qu'ils sont bien, ils sont tout bien dans la tête. As long as they're not coming to the real money. Mais aussi longtemps que ça n'arrive pas à l'argent. If the real money, parce que quand ça arrive, l'argent changes their character. L'argent change leur caractère. It means they didn't have a character from the beginning. Parce que c'est là que je vais juste dire qu'ils n'avaient jamais eu de caractère pour commencer. He was the son. Il était le fils. He had the father. Il avait un père. He had the gifts. Il avait le don. But he spent it all. Il a tout dépensé. How he did it? Comment a-t-il fait ça? You know, he became a very sociable person. Il est juste devenu quelqu'un de très social. It's not a mystery. C'est pas un mystère. If the young person has got the money. C'est pas un mystère qu'un jeune homme qui a de l'argent. Or maybe this is a young lady. Ou une jeune fille qui a de l'argent. Maybe she hasn't got money. Mais peut-être qu'elle avait pas l'argent. But she's got the beauty. Mais elle avait la beauté. To attract the others. Pour attirer les autres. And her beauty is not under the headship of the father. Sa beauté n'est pas sous le contrôle du père. And you know, as the young man, he has got the money. Et vous savez, en tant qu'un jeune homme, il avait l'argent. But his possibilities and potentials are not under the headship of the character. Mais ses possibilités et son potentiel n'étaient pas sous le contrôle de son, n'étaient plus sous le contrôle. It will be assuredly misused. Et ça sera d'office mal utilisé. And the person will be misled. Et la personne ira dans le mauvais chemin. And that's what we can see in this young man. Et c'est ce que nous pouvons voir à travers ce jeune homme. He spent all. Et il a tout dépensé. I think it was quite money. Je pense que c'était beaucoup d'argent. Because his father, he had his house and the fields and the animals and everything. Parce que son père avait de l'argent, il avait des champs, il avait tout ce qu'il faut. And he divided. Et il a tout divisé en deux. In two parts. En deux parties. Both parts was a lot of money. Chaque partie, chacune des parties, c'est chacune des portions était beaucoup d'argent. But now we can see how the son became a prodigal son. Et nous voyons comment le fils est devenu un fils prodige. He spent everything. Il a tout dépensé. You know, maybe he just called his friends. Peut-être qu'il a juste appelé ses amis. He came to different city. Il allait dans des He had a new friends. Il avait d'autres amis. I don't think it was just a few. Et je pense pas qu'ils étaient juste un tout petit peu. I think he went somewhere to the pub. Et il est parti dans un club. Or maybe a good restaurant. Ou dans un bon restaurant. And all of a sudden he was surrounded by 50 young people. Et tous les soirs il était entouré par
50 jeunes hommes. Because he had a lot of money. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. So it was Coca-Cola for everyone. Il donnait du Coca-Cola pour tout le monde. They started with Coca-Cola. Ils ont commencé avec du Coca-Cola. But Coca-Cola is not very costly. Mais le Coca-Cola n'est pas très cher. So he went forward. Il est parti pour autre chose. It was just a starter. Et c'était juste pour commencer. But there was a beer. Et il y avait la bière. And some alcohol. Et il y avait d'autres types d'alcool. And you know, just day after day after day. Et jour après jour. I think he became very popular. Et il est devenu très populaire. He had a lot of friends. Il avait beaucoup d'amis. Every day. Tous les jours. It was really a good life. Et il avait une bonne vie. For that body. Mais juste pour parce qu'ils étaient amis. You know this body is an animal. Mais je savais que ce corps c'est un animal. Biologically speaking. Biologiquement parlant, ce corps est un corps. We are mammals. Nous sommes animaux. Le mammifère. Yeah. So he fell down. Il est tombé très bas. To the certain level. À un certain niveau. That the animals live. Comme tous les animaux vivent. Just to eat. Juste en mangeant. Just to drink. Pour boire. Maybe reproduce. Peut-être se reproduire. Having just a little nest or maybe a little place to live. Juste avoir peut-être un petit endroit, un petit cote, juste un petit endroit où habiter. And that was his life. Et ça c'était sa vie. That was his way of thinking. Ça c'était sa façon de penser. Having being a son. Tout en étant fils. With all these potentials. Mais avec tout ce potentiel. He spent all. Et il a tout dépensé. And there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. 14. Et une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans le besoin. You know when the famine comes. Vous savez quand la famine arrive. You know how the person is really hungry. Vous savez quand quelqu'un est très affamé. Not for 5 minutes, I mean. Pas juste pour 5 minutes. Or a few hours. Ou juste quelques heures. But I don't know if you experienced ever in your life that you didn't have a food for a couple days. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, ne pas avoir de nourriture pendant quelques jours. Maybe you fast sometimes. Mais peut-être que vous avez fait ça une fois. You know the Christians according to the Bible and the message they fast. Ah oui, peut-être. I don't mean just fighting. Yeah, parce que les chrétiens nous gênons deux fois pendant quelques jours pour la nourriture. But the fast before the Lord. Mais les jeûnes devant le Seigneur. But if you fast, you are not hungry. Mais quand tu jeûnes, t'as pas faim. Because the fast is coming from the Lord upon you. Parce que le jeûne vient de Dieu sur vous. And you don't eat because you don't want to even eat. Parce que tu ne manges pas parce que tu n'as juste pas faim pour commencer. But I'm pretty sure that this young man, he didn't fast. Mais je suis sûr et certain que ce jeune homme n'avait pas fait de jeûne. He was the son but not the spiritual son. Mais il était un fils mais pas le fils spirituel. He was carnal. Il était juste un fils charnel. His carnality. Sa charnelité. And finally he was brought to the place of not having fruit. Et ça l'a amené tellement à être dans un point où il n'avait plus de nourriture. And if the person in the carnal condition will not get the food. C'est les personnes dans une condition charnelle qui n'ont pas de nourriture. We can see in this world. Nous pouvons voir ce monde. They are able even to kill. Les gens sont prêts à tuer quand ils n'ont pas de nourriture. To kill the other person. Ils sont prêts à tuer d'autres personnes pour la nourriture. To get the food. Juste pour avoir la nourriture. But he was in that place. Et il était dans cette condition. Because it was a mighty famine. Parce que c'était une famine puissante. In that land. Et dans ce pays. Not in the land of his father. Pas dans le pays de son père. No, it was prospering. Mais dans le pays de son père, c'était la prospérité. But he was now in another land. Mais il était dans un autre pays. Not in the land of the father. Pas dans le pays de son père. Friends, let's go to the land of the father. Amis, allons dans le pays du père ce matin. Our heavenly Father. Notre Père céleste. There is a land of the word. Il y a un pays de la parole. There is a land that everything what you need is given to you. Il y a un pays où tout vous est donné. Vous n'avez besoin de rien. It's in Christ. C'est Christ. It's given to you. Christ qui vous le donne. Everything. Toutes choses. For your life and godliness. Pour votre bien et pour votre vie. That's the word. Ça c'est la parole. But he was in another land. Mais il était dans un autre pays. He was in very carnal land. Dans un pays charnel. Easily when you leave Christ. C'est ça qui se passe quand vous quittez Christ. And you just go to the unregenerated mind. Et vous allez avec une pensée non résurrectée. And you are living on the level of flesh. Et vous vivez dans le niveau de la chair. The famine is coming. Et la famine est arrivée. You are coming to church. Vous venez à l'église. I think some of you. Peut-être je pense que you are coming to church. Vous venez à l'église. You are looking for food. Vous cherchez pour chercher la nourriture. Pastor, give me a sermon. Pasteur, preach to me. Prêche-moi. I'm really hungry. J'ai faim. Preach to me. Prêche-moi. I spend maybe 3 hours, 5 hours every day of the week. Je passe 4 heures, 5 heures chaque heure de la journée. On TV. Devant la télé. On Internet. Sur Internet. On the fleshly things. Sur les choses charnelles. And I'm hungry. Et j'ai faim. Give me the food. Donne-moi la nourriture. I think I'm dying. Je pense que je suis en train de mourir. I grieve the Holy Spirit. J'ai besoin du Saint-Esprit.
Yeah, that's true. Ça c'est vrai. Playing the games all the time? Jouer au jeu tout le temps. You cannot be spiritual. Tu peux pas être spirituel. No. It's a different land. Ça c'est un pays différent. Amen. C'est pas le même. You cannot grow up. Tu peux pas grandir. You are feeding the black dog in your life. Tu es en train de nourrir le chien noir dans ta vie. And the black dog. Et le chien noir. Is barking more and more. Il continue à aboyer et aboyer et aboyer. Just change your diet. Just change juste ton régime. Don't come to the pastor. Ne viens pas chez le pasteur. Don't make him responsible for everything. Et ne rends pas le pasteur pour toute chose. Change your diet. Change ton régime. Feed your soul upon the word. Nourris ton âme avec la parole. Let the white dog. Laisse le chien blanc. To grow. Grandir. To have the muscles of faith. Qu'il ait les muscles de la foi. When the white one started to bark. Et quand il va commencer à aboyer. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Upon every word. Sur chaque parole. Let him say amen. Il faut dire amen. But give him the food. Donne-lui la nourriture. I guarantee you. Et je peux vous garantir. The evil dog. Le chien démoniaque. Will be far away. Il ira très loin. From your household. Loin de votre maison, loin de votre ménage. Will be scared. Parce qu'il vous serait déçu. Even to approach. Il n'osera même pas s'approcher. Because your house. Parce que votre ménage. Will be full of angels. Il sera rempli des anges. Messengers. De messagers. He will live under thus say the Lord. Il vivra sous l'ainsi dit le Seigneur. On a daily basis. Tous les jours. You will walk with God. Vous marcherez avec Dieu. You will grow. Vous allez grandir. In maturity. Vous atteindrez la maturité. In understanding. Et vous allez comprendre. In the character. Avec le caractère. God will trust you more and more. Dieu croira en vous de plus en plus. You will have an angelic visitation in your life. Une visitation des anges dans votre vie. Because your walk will please God. Parce que votre vie plaît à Dieu. Hallelujah. But you know this mighty famine caused in his life. Vous savez ce que cette famine puissante a causé dans sa vie? To think a little different. Il a commencé à penser différemment. I'm pretty sure he started to realize. Et je suis sûr et certain qu'il a commencé à réaliser. Not with the friends around. Pas avec les amis autour de lui. But being now alone. Mais tout en étant tout seul. He started to realize. Et il a commencé à réaliser. That he made some wrong decisions. Et qu'il a fait une mauvaise, il a pris la mauvaise décision. And in the verse 15. Et dans le verset 15. He went and joined himself to the citizen of that country. Il alla et se mettre au service d'un des habitants du pays. Now he's looking for a different fellowship. Maintenant, il commence à chercher d'autres types de compagnons. Not just to be sociable and popular. Juste plus, ne plus être social et populaire. But looking for a way to survive. Mais il cherche un moyen pour survivre. He's looking someone. Il cherche quelqu'un. That the first time he's not, he won't be at top. Pour la première fois, il ne sera pas au-dessus. Because of his money. Parce que pas pour son argent. And people around him. Pas pour les gens qui l'entourent. But now he's coming under the headship. Et il vient sous le contrôle de quelqu'un. Of any man. N'importe qui. But just to survive. Juste pour survivre. So he joined himself to a citizen of that country. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. And he sent him into his fields to feed swine. Qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Now we can see the fifth step of fall. Et nous pouvons voir la cinquième étape de la chute. Is a spiritual destitution. C'est la destitution spirituelle. Amen. He's coming under headship. Il vient sous le contrôle. But not the headship of his father. Pas plus le contrôle de son père. It was the headship of the ruler. Il était sous le contrôle des règlements. And the ruler sent him just on the field. Et cette personne lui a juste envoyé, le contremaître lui a envoyé dans to le champ. To feed swine. Et pour, juste pour nourrir des pourceaux. And now this popular young person. Maintenant cette personne, jeune homme qui était si populaire. When he just lost all his gifts. Quand il a perdu tout son avoir. No potentials. Il n'a plus de potentiel. Nothing in his life to feel him good. Il n'avait plus rien dans sa vie qui pouvait le rendre fier. He's working among the swines. Il a commencé à travailler à travers des pourceaux. And that's the problem today. Et c'est ça le problème aujourd'hui. That's the condition of this world. C'est ça la condition de l'église, du monde. If we would just live among the sheep, si nous vivons à travers les agneaux, would be easier for us. Ça serait facile pour nous. But there's not so many sheep on this earth right now. Mais il n'y a pas autant d'agneaux dans ce monde actuellement. Because the sheep, the Bible says, listen the voice of the shepherd. Parce que la Bible dit que les agneaux écoutent la voix du berger. The sheep has got a different diet. Parce que les brebis sont sur un régime différent. But we can see the diet of the many churches. Nous pouvons voir les régimes de plusieurs églises. If they became denomination. Quand ils deviennent dénominationnels. Or this world, Sodom. Ou dans ce monde, dans Sodome. They are not on the diet of the world. Ils sont pas dans le régime de la parole. They are growing fast. Ils grandissent vite.
But not with their real food. Mais ils ont pas, ils mangent pas la bonne nourriture. They are growing only physically. Mais ils grandissent juste physiquement. But spiritually. Mais spirituellement. It's less and less. Ils arrêtent pas de s'emmaigrir. Less real people. Il y a très peu de riches. Less real Christians. Il y a très peu de vrais chrétiens. As it was the days of Noah. Il y a moins de chrétiens actuellement qu'il y en avait dans l'époque de Noé. So it will be. Et ils seront de même. In the days of the Son of Man. Dans les jours du Fils de l'homme. When the Son of Man will be revealed. Quand le Fils de l'homme sera révélé. Very few. Très peu de vraies personnes. Amen. Amen. As it was the days of Noah. Tel qu'il était dans les jours de Noé. Very few. Très peu. Few sheep. Très peu d'agneaux. And the plenty of goats. Et très beaucoup de boucs. With a rebellion spirit. Avec un esprit rebelle. Swines. De pourceaux. With a what kind of food? En train de manger n'importe quoi. And 16. Yep. 16. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. When you will just find yourself in the wrong environment. Quand vous retrouvez vous-même dans un mauvais environnement. And inside you are in a wrong condition. À l'intérieur, tu sais que tu es dans une mauvaise condition. You will try to keep a distance. Tu essaieras de garder une petite distance. But you won't be able. Mais tu ne seras plus capable. And finally, so many good people. À la fin, très beaucoup de, il y a beaucoup de nombreuses personnes. As long as they are in the church. Mais qui sont à l'église. They are good people. Il y a beaucoup de bonnes personnes à l'église. But unfortunately, many times when we are going to this world. Mais malheureusement, plusieurs fois, nous allons pas à travers dans la parole. Instead of being a light. Il y a beaucoup de gens dans l'église. Sur le banc, les gens restent à l'église, ils sont de bonnes personnes. Ouais. À un moment, ils commencent à aller dans le monde. Instead of giving a light in the darkness. Au lieu de donner la lumière dans les ténèbres. Their little light turns to be darkness. Et cette petite lumière devient du ténèbre. You know this prodigal son. Vous savez ce fils prodigue. He was still son. Il était le fils. But he was the prodigal condition. Mais il était dans des conditions de fils prodigue. So he was working among the swines. Il était en train de travailler à travers ses pourceaux. And he picked up the customs of the swines. Et il a pris les habitudes des pourceaux. Cochon. He looked so much on the swines. Il a tellement regardé les cochons. He started to think like a swine. Et il a commencé à réfléchir comme un cochon. And eat like a swine. Et il voulait manger comme les cochons. That's what the world does with many people. Et c'est ça, c'est ce que le diable fait avec plusieurs personnes. Be separated. Please, essayez d'être séparés. Be Christian. Restez chrétien. Be solid with your testimony. Restez solide sur votre témoignage. Feed your soul upon the word of God. Essayez de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Amen. We don't need a swine food. Nous ne voulons pas de la nourriture des pourceaux. We are not returning to any denomination. Nous ne retournons pas dans aucune dénomination. Because we are delivered by mighty God. Parce que nous avons été délivrés par le Dieu puissant. He sent us a mighty message. Il a envoyé un message puissant. He delivered us. Il nous a délivrés. And he's not going to keep us in the middle. Il ne va pas nous garder au milieu. He got you out. Il vous a pris. Il vous a to sorti. Place you in. Et il vous met dans un endroit. Hallelujah. Amen. Amen. So we can see his self-abasement. Nous pouvons voir l'abaissement de soi. So he was looking for that kind of food, but no man gave unto him. Et vous cherchez pour cette nourriture, mais personne ne voulait lui en donner. It was his personal starvation. C'était sa personal starvation. Starvation. Il était en train de mourir de faim. It was not just a famine in the land. C'était pas seulement la famine dans le pays. But he was starving. Et il était en train de mourir de faim. And it changed him. Et ça l'a changé. Now we can see a change. Et maintenant nous pouvons voir le changement. Seven steps of fall. Nous avons les sept étapes de la chute. When he is really hungry. Quand il est vraiment affamé. Not even a swine food. Même il pouvait même pas manger la nourriture des pourceaux. Nothing makes him happy. Il y a rien qui pouvait le rendre heureux. He was separated from his father. Il a été séparé de son père. And now he is so hungry. Et maintenant il est très affamé. We would say in the 21st century language. Nous pouvons dire dans le langage du 21e siècle. That all the wrong pictures on internet. Oh, toutes ces mauvaises photos sur internet. Didn't satisfy him anymore. Ne l'ont pas apporté aucun plaisir. He was looking at the wrong things. Il était en train de regarder vers les mauvaises choses. Wrong food. Vers la mauvaise nourriture. The false style of this world. Tous les styles de ce monde. That's the problem. C'est ça le problème. For a while, it makes the ladies happy.
Pendant un moment, ça rend la demoiselle heureuse. For a while. Pendant un moment. It can make a man happy. Pendant un moment, ça peut rendre un homme heureux. But this is wrong happiness from the beginning. Mais c'est juste la mauvaise, c'est le mauvais bonheur juste pour commencer. It will never feed your soul. Ça ne va jamais remplir votre âme. It's just impossible. C'est juste impossible. It's impossible that the eagle feed on the carcass. C'est impossible qu'un aigle puisse manger des carcasses. He's looking for the fresh meat. Il cherche la nourriture fraîche. Jesus, he said. Jésus a dit. Where the soma will be, the eagles will gather together. C'est à l'écorce là, s'assembleront les aigles. And the soma is flesh. Et la nourriture est fraîche. Fresh killed flesh. Les aigles mangent du fraîche. Hallelujah. Then we see eagles. Et là, nous voyons les aigles. They are feasting on the soma. Et ils viennent autour de la nourriture fraîche. Of the Son of Man. De la nourriture fraîche qui est le Fils de l'homme. On the soma of the Word. La parole. They will feast their souls upon that kind of food. Ils nourriront leurs âmes avec ce type de parole. There is a spiritual food in this season. Il y a une nourriture spirituelle autour dans cette saison. Amen. There is a reality of Christ. Il y a la réalité de Christ. Alleluia. There is a ministry of angels. Il y a le ministère des anges. Your theophany is not far away from you. Your theophany. Votre théophanie est loin de vous. Your representation. Votre représentation. Your delegation. Votre délégation. That is coming down from heaven. Et vient du ciel. Because you've been represented in Christ before the foundation of the world. Vous avez été représenté en Christ avant la fondation du monde. If we are not, we cannot be saved. Si nous ne sommes pas, alors nous ne pouvons pas être sauvés. But Bible teaches that our names was placed in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Parce que la Bible dit que nos noms ont été mis dans le livre de la vie avant la fondation du monde. La Bible dit que nos noms ont été mis dans les livres de vie de l'anneau avant la fondation du monde. Yes, you exist in his mind. Parce que vous avez existé dans sa pensée. And he knew you by the name. Il vous connaissait avec vos And noms. He placed your name into his book. Et il a mis vos noms dans les livres. That's the reason today when he's calling you. C'est ça, aujourd'hui ce matin il vous appelle. It must be a supernatural call. Et c'est un appel surnaturel. Because it's coming from the supernatural God. Parce que ça vient d'un Dieu surnaturel. Amen. Amen. God is calling the supernatural subjects. Dieu appelle des sujets surnaturels. His own children. Ses propres enfants. If you are born of God. Et si vous êtes né de Dieu. And God is supernatural. Et Dieu qui est surnaturel. You must be as supernatural as God is supernatural. Alors vous devez être aussi surnaturel que Dieu est surnaturel. Amen. Because my two sons and my daughter. Papa, parce que dans deux niveaux il y a mes deux fils et ma fille. Ouais. They've got the features of me. Mes deux fils et ma fille ont les mêmes caractéristiques que moi. Because they are my children. Parce qu'ils sont mes enfants. They cannot deny me. Ils ne peuvent pas me nier. I cannot deny them. Je ne peux pas les nier non plus. Because they've got the characteristics of me. Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques qu'ils ont reçues de moi. The same is with God. Et c'est la même chose avec God is absolutely supernatural. Dieu est absolument surnaturel. He is the eternal spirit. Il a un esprit éternel. We've been part of him from the beginning. Nous avons été nous faisons partie de lui dès le début. We've been chosen and predestinated in him. Nous avons été choisis et prédestinés en lui. In Christ, the Logos. En Christ, le Logos. When the Logos went out of the spirit. Quand le Logos est parti et sorti de l'esprit. The first visible form of God. La première forme visible de Dieu. We've been part of him. Nous avons été faisant partie de lui. We've been in him from the beginning. Nous avons toujours été en lui dès le commencement. He was a supernatural. Il était surnaturel. You've been supernatural. Il est surnaturel. He's a devil, he told you. C'est bien, le diable peut vous parler. Because of the first birth. À cause de la première naissance. Swine's birth. La naissance de cochon. Carnal birth. La naissance charnelle. Devil start to speak to you. Les diables essaient de vous parler. You are unworthy. Tu n'as pas de valeur. You cannot approach to God. Tu ne peux pas venir à côté. God is holy. Dieu il est saint. God is great. Dieu est grand. But you are zero. Tu es zéro. You are unworthy. Tu n'as pas de valeur. You make mistake here. Tu commets des mistakes. You make mistake là-bas. There. Tu fais des erreurs là-bas. When you will listen to those things. Alors si tu écoutes ces genres de choses. You will never come up higher. Tu n'iras jamais. Tu ne grandiras jamais. You must understand who you are. Tu dois comprendre qui tu es. And God himself, he came down. Dieu lui-même est descendu. In the form of the flesh. Dans la forme de chair. That was called Jesus. Et il a été appelé Jésus. He gave the law. Il a donné le nom. No one is able to fulfill the law. Il a donné la loi et personne n'était capable d'obéir à la loi. God knew it from the beginning. Dieu savait depuis le départ. That we are carnal people. Nous sommes des personnes charnelles. That's the way we've been born first time. C'est comme ça que nous avons été nés dans notre première naissance. Flesh is good for nothing. La chair n'est bonne à rien. It
doesn't help. Ça n'aide pas. But my words are spirit and life. Mais ma parole vous donne la vie. So God came down in flesh. Dieu est venu lui-même en chair humaine. Fulfilled the law that he introduced. Pour confirmer la parole qu'il a présentée. Then he was crucified by the people that he was sent to. Il a été crucifié par les gens qu'il a été pour qui il a été envoyé. And right on the Calvary. Et pendant qu'il était sur le bois du calvaire. When he was dying. Alors qu'il mourait sur le calvaire. He was forsaken by his own father. Il a été forsaken. Abandonné par son propre père. Yes. That's what he experienced. Ça c'est ce qu'il a expérimenté. He was separated from God. Il a été séparé de Dieu. God was separated from himself. Dieu a été séparé de lui-même. Because of sin. Because à cause de péché. Brother Branham said only way how God could die. Frère Branham dit que la seule façon que Dieu pouvait mourir was in the flesh of Jesus. C'est dans le corps de Jésus-Christ. It was God in flesh. C'était Dieu dans la chair. Hidden in the flesh. Caché dans la chair. No one could see God. Personne ne pouvait voir Dieu. But Jesus, he said. Mais Jésus a dit. Who can see me can see God. Que celui qui me voit voit le Père. Because I'm completely identified with the Father. Parce que je suis complètement identifié par le Père. Me and my Father, we are one. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Who can see me can see the Father. Celui qui ne peut pas me voir ne peut pas voir le Père. Who was Jesus? C'était Jésus. Was the flesh of God. C'était la chair de Dieu. Where was God? Si c'était Dieu. He was in that flesh. Il était dans la chair humaine. Who is God? Oui, qui est Dieu? God is a spirit. Dieu est esprit. Who was Jesus? Qui est Jésus? Who was the flesh of that spirit? La chair de cette. And they were one. Et ils étaient un. Hallelujah! That's the mystery of the invisible God. C'est ça le mystère de Dieu invisible. How the invisible God became visible. Comment Dieu invisible est devenu visible. It was in Jesus. C'était en Jésus Christ. Hallelujah. Hallelujah. There is a mystery. Il y a un mystère. How the invisible bridegroom. Comment l'époux invisible. Jesus. Jésus. Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Spirit. L'Esprit. How he can be visible today. Comment il peut être visible aujourd'hui. In the bride. Dans l'épouse. Because they are one. Parce qu'ils sont un. What Jesus said. Une fois Jésus a dit. If these two are becoming one. Si ces deux deviennent un. The wife and the husband. L'homme et la femme. They are becoming one. S'ils deviennent un. And they are connected by God. Et ils sont connectés par Dieu. And God really performed the marriage. Et que Dieu prend le contrôle du mariage. Don't separate it anymore. N'osez même pas les séparer. They are one. Parce qu'ils sont un. Jesus was one with the Father. Parce que Jésus était un avec le Père. Absolutely one. Absolument un. By the offering of Jesus. Mais l'offre de Dieu. It's more than possible for us. Et c'est plus que possible pour nous. To be reconnected with the God. D'être reconnecté avec Dieu. That in eternity we're part of Him. En éternité nous étions une partie de lui. But the sin separated us. Mais le péché nous a séparés. But now because of righteousness of God Himself. Mais maintenant avec la résurrection de Jésus-Christ lui-même. It's a reconnection time. C'est le temps de la reconnexion. We are reconciled. Mais nous sommes réconciliés. To be again one with Him. Afin de devenir un avec lui. Jesus said. Jésus a dit. Don't separate them. N'osez pas les séparer. Que personne ne les sépare. They are one by marriage. Parce qu'ils sont un par le mariage. Hallelujah. Hallelujah. And now we can see. Maintenant nous pouvons voir. That as long as this prodigal son. Aussi longtemps que ce fils prodigue. He was depending on his natural senses. Aussi longtemps qu'il dépendait de ses sens naturels. Nothing inside was activated. Rien à l'intérieur n'était activé. But when he lost everything. Mais quand il a tout perdu. By the seven steps of fall. Après les sept étapes de la chute. And he became really zero. Et il est devenu zéro. No potentials. Il n'y avait plus de potentiel. No money. Il n'y avait pas d'argent. No even food. Il n'y a même pas de la nourriture. In that moment. À ce moment-là. He discovered. Et il a découvert. The Bible says 17. La Bible dit au verset 17. When he came to himself. En étant rentré en lui-même. He realized something. Il a réalisé quelque chose. And that was the first step of up. Et c'était la première étape pour monter. He realized. Il a réalisé. I've got something inside of me. J'avais quelque chose à l'intérieur de moi. I am the son from the beginning. Je suis le fils pour commencer. I always was. J'ai toujours été le fils. Amen. I lost everything. J'ai tout perdu. But I didn't lose my sonship. Mais je n'ai pas perdu la notion de fils. Hallelujah. Hallelujah. It was a predestination. C'était la prédestination. By foreknowledge, the Father knew from the beginning. Parce que dès le départ, il savait qui il était. That's the reason He gave him everything. Le Père lui a tout donné. What He required. Et ce qu'il avait demandé. Because all the gifts. Parce que tous les dons.
You cannot compare them with the character. Tu peux pas le comparer au caractère. And the father he knew from the beginning. Et le père savait dès le départ. But he had the son. Il avait un fils. But he wanted to have a real son. Mais il voulait avoir un vrai fils. And a real son is a picture of the father. Mais parce qu'un vrai fils c'est l'image du père. He was the son from the beginning. Il était le fils pour commencer. But without the character of the father. Mais sans le caractère du père. And the father he knew. Et le père savait. That the son must go through a very painful process of metamorphosis. Que le fils doit aller à travers un processus très difficile afin de le métamorphoser. Of his character. De son caractère. And his life. De sa vie. To get the same picture. Pour avoir la même image. That the father will be reproduced in the son. Tel que le père pourrait être reproduit dans le fils. And the son will get the authority. Et le fils pourra avoir l'autorité. To do and speak. De parler et de faire. Like the father. Comme le père. When the father is absent. Quand le père est absent. It was the first step. C'était la première étape. We call it realization. C'est qu'on l'appelle la réalisation. And it was a mighty revelation. C'était une révélation puissante. That he recognized something is in me. Il a reconnu quelque chose en lui. That's my sonship. Ça c'est ma notion de fils. Je suis fils. He said, "How many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger." Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. And now we can see a second step. Et là nous pouvons voir la deuxième étape. We call it resolution. Nous pouvons l'appeler la résolution. Decision. La décision. I will arise and go to my father. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Amen. Amen. A good point. C'est un bon point. You recognize who he is. Il a reconnu qui il est. And he makes the steps forward. Et il a décidé d'avancer, d'aller de l'avant. Amen. I will say unto my father, I have sinned against heaven and before thee. Et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. The third step up. Et c'est là la troisième étape. Repentance. La repentance. No one is able to repent. C'est pas tout le monde qui est capable de se repentir. With a real deep repentance. Nous voulons la repentance sincère. Without understanding who you are. Personne ne peut réellement se repentir sans comprendre qui il est réellement. When God will speak to you. Quand Dieu te parle. Then you can realize who you are. Alors là tu peux réaliser qui tu es réellement. And then you turn around. Et là tu te retournes. Then you experience your metanoia. Et là tu pourras expérimenter ta transformation. Repentance. La repentance. The change of the direction. Le changement de direction. 19. And I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. And he arose and came to his father. Il s'éleva et alla vers son père. The fourth step. La quatrième étape. We call it return. Le retour. Return. Le retour. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et s'est jeté à son cou et le baisa. The kiss in the Bible typifies reconciliation. La clé dans la Bible ici ça typifie la réconciliation. La bise dans la Bible typifie la réconciliation. Father waited for him. Le père l'attendait. The Bible says he ran. La Bible dit qu'il a couru. And fell on his neck. Et il est allé il a attrapé à son cou. Embrace him. Il l'a embrassé. He waited for that moment. Il attendait à ce moment. Kiss him. Il l'a embrassé. You know, God uses symbols. Et Dieu, vous savez, il utilise des symboles. And that symbol was great. Et ce symbole était grand. He didn't look in his face. Il n'a pas regardé dans sa figure. He didn't tell him. Il l'a pas dit. What you did for me? Qu'est-ce que tu fais pour moi? What you did for my family? Qu'est-ce que tu fais pour ma famille? What a shame! Quelle honte! You cannot find it in the Bible. Tu peux pas le trouver dans la Bible. His father. Son père. Ran to him. Il a couru vers lui. Embrace him. Il l'a embrassé. And kiss him. Et il l'a embrassé. Il l'a embrassé. That's all right, my son. Ça c'est tout bien, mon fils. I accept you completely. Je t'accepte. I waited for you so long. Je t'attendais pendant tout ce temps. Hallelujah! Oh my goodness! There's really a message. Il y a vraiment un message. Verset 21. And the son said unto him. Et le fils lui dit. Father, I have sinned against heaven and in thy sight. And I'm no more worthy to be called thy son. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Amen. Isn't that great picture? Combien grand cette image? Did you experience that in your life? Est-ce que vous expérimentez ça dans votre vie? This is love of God, friends. Ça c'est l'amour de Dieu, les amis. You cannot find it on this earth. Tu peux pas trouver cet amour dans cette terre. You can find a lot of filial love. Tu peux trouver plein beaucoup d'amour filial. Which is a friendship. Qui est l'amitié. Which is a love a man to a wife. Qui est l'amour d'un homme pour sa femme. Or the wife to man. Ou bien la femme pour son mari. But the filial love. Mais l'amour filial. Is not the supreme love. C'est pas l'amour suprême. Because Brother Branham, he said, parce que Frère Branham dit, if you would have a wife, parce que si tu as une femme, and he there was a man he would like to just do something wrong to your wife, un homme qui fait de la mauvaise chose à ta femme, because you've got a filial love to your wife, par l'amour filial pour you ta just, femme, you just kill the man, tu pourrais tuer l'homme, with a filial love, juste pour l'amour filial. If you'd have an agape love, mais si tu as l'amour agapao, you just pray for him. Tu prieras pour la personne. You'd forgive him. Tu pardonneras la personne. This is a supreme love. C'est l'amour suprême. And that's God. C'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. And God promised that that kind of love will come back on the earth. Dieu a promis que ce type d'amour reviendra sur la terre. Amen. In the last days. Au temps de la fin. The capstone. Mais dans la tête. Hallelujah. Amen. Christ himself. Christ lui-même. The pure agape love. L'amour agapao parfait. Divine love. L'amour divin. Came back. Car revenant. For the fallen sons. Pour la même. For the fallen sons. Pour les sons. For the fallen daughters. Pour les filles, les fils. To embrace them. Pour afin les embrasser. To kiss them. Afin les embrasser. Yeah, the bridegroom, don't leave out nothing. 21. No, this is from the Christ, the mystery of God, yeah. Revealed. Il est dans la prédication les mystères de Dieu révélés. He's got a ring, the identification. Il lui a donné une bague, l'identification. He's got a robe that she wears, her clothing. Il lui a donné une robe qu'il portait, les habillements. Everything is provided. Tout a été pourvu par le Père. Amen. For the bride. Pour l'épouse. And he's got to provide a place to meet her that's in the air. Il lui a donné un endroit de rassemblement, c'est dans les airs. Everything has been all provided. Tout a été pourvu par Dieu. He's got a wedding supper already set. Il a préparé déjà les banquets pour le mariage préparé. Guests already invited. Tous les invités sont déjà là. Already chosen. Tous les invités ont été choisis. All the angels are standing around. Tous les anges se tiennent autour. His servants at attention. Et il est en train de le servir avec attention. Amen. Amen. He is speaking the present tense. Il parle du temps présent. In the present tense. Il parle du That's what's going on right now. C'est ce qui se passe réellement maintenant. The wedding supper is ready. Tous les banquets pour le mariage est déjà préparé. The guests are invited. Tous les invités sont déjà là. The robe is provided for the bride. La robe de l'épouse a déjà été pourvue. The ring is provided and given. Et la bague a déjà été donnée et fournie. This is the ring of unmerited grace. C'est la bague de la grâce infinie. She's kissed already. Elle a déjà été embrassée. She kissed him. Elle l'a embrassée. Do you know why? Vous savez pourquoi? When the lady and the man they can kiss each other? Quand un homme et une femme peuvent enfin s'embrasser. Not before the marriage. Pas avant le mariage. No. But after the marriage. Après le mariage. They can kiss each other. Et ils peuvent s'embrasser. Yes. They can go together. Et ils peuvent aller ensemble. There is a connection in the flesh. Et il y a une connexion dans la chair. Not before. Pas avant. But after. Mais après la connexion. Hallelujah. Hallelujah. The word that is God. La parole c'est Dieu. And the word is God. Et la parole de Dieu. Became flesh. Devient chair. And dwell among us. Et il est parmi nous. We saw him. Et nous l'avons vu. We saw his glory. Nous avons vu sa gloire. We saw his character. Nous avons vu son caractère. We saw his power. Nous avons vu sa puissance. His manifestation. Sa manifestation. His unveiling. Sa révélation. We saw it. Nous l'avons vu. We received it. Nous l'avons reçu. By the word. Par la parole. And the marriage ceremony. Et par la cérémonie de mariage. Is performed by the word. Et elle a été faite par la parole. When the word became flesh. Quand la parole devient chair. We are married to him. Nous sommes mariés à lui. Everything is fine. Tout est bien.
We are chosen. Nous sommes la personne élue. Before the foundation of the world. Avant la fondation du monde. We are living in the last generation. Nous sommes en train de vivre la dernière génération. God sent us the last prophet of Malachi 4. Dieu a dit que vous enverrez un dernier prophète, Malachi 4. Elijah the prophet. Élie le prophète. To be a postman. Qui veut être le facteur. To deliver to you the love letter. Afin de délivrer la lettre. Amen. Amen. We didn't marry the prophet. Nous n'avons pas marié le prophète. But the prophet was a messenger. Mais le prophète c'était le messager. Like Eliezer in the Bible. Tel que Eliezer dans la Bible. To find the people of Rebecca. Afin de trouver la belle Rebecca. And to bring Rebecca. Afin d'apporter Rebecca. On the same camel. Sur le même chameau. She watered. Le même chameau. The camel is power. Le même un chameau typifie une puissance. On the same power. Sur le même puissance. She watered. La même puissance qu'elle avait nourrie, qu'elle avait donnée à boire. In the casual day. Dans une journée normale. Not in the meeting. Pas dans un meeting. Not in the synagogue. Pas dans une synagogue. But the meeting the messenger. Mais ils ont rencontré le messager. And being the answer for the prayer of the messenger. Et étant la réponse à la prière du messager. When he said, Lord. Quand il a dit Dieu. I'm not able to find a wife for my Lord Isaac. Quand il a dit Dieu, je ne peux pas trouver une femme pour mon Seigneur Isaac. Please help me. Je te prie de m'aider. And he prayed. Et il a prié. May this woman that will come. Et il fait une de ces femmes qui est arrivée. And I ask her, just give me a drink. Il a dit, c'est pas la femme qui me donnera juste à boire. She will also say. Et qui dira aussi. I'm going to water also your camels. Et je vais aussi donner à boire à chacun de tes chameaux. He opened his eyes. Et il a ouvert ses yeux. And the beautiful Rebecca. Et la belle Rebecca qui est. The virgin. La vierge. The type of the true bride. L'athlétique de la vraie épouse. Was standing there. Et c'était né là. And he said, et il a dit, give me a drink. Donne-moi à boire. She gave him drink. Et il lui a donné à boire. And she said something. Et elle a dit quelque chose. That she never heard from his mouth. Qu'elle n'avait jamais eu dans sa bouche avant. Qu'elle n'avait pas entendu de la bouche de. It was part of the mystery. Mais ça faisait partie du mystère. The seven seals is mystery. Les sept sceaux c'est des mystères. The coming of the Lord is mystery. Mais la venue du Seigneur c'est un mystère. But it's shown in the Bible. Mais il a montré la Bible. By the shadows. By the characters. Par les caractéristiques. That's hidden in the Bible. C'est tout cela, c'est caché dans la. And that woman, she said. Et la femme a dit. I also water your camels. Et je vais aussi donner à boire à tes chameaux. He never spoke it. Il l'a jamais dit. He spoke it to God. Il l'a dit à Dieu. But not to her. Mais pas à elle. He asked for water for himself. Il a demandé de l'eau pour lui-même. She did the service. Elle a rendu le service. She had to go to the mind of God. Mais elle a été dans la pensée de Dieu, comme elle était dans la pensée de Dieu. To pick it up. Que d'aller chercher. It was the only way. C'était la seule façon. How she could discover that. C'était la seule façon pour elle de découvrir. What was between the messenger and God? Le secret entre Dieu et son messager. We are living a time. Nous vivons dans un moment. When the mystery of God is finished. Tous les mystères de Dieu sont finis. Le ministère de Dieu. It's even proclaimed. Tous les mystères de Dieu ont été proclamés. It was whispered to the ear of the bride. Ça a été chuchoté dans l'oreille de l'épouse. But from the top of the houses, it's proclaimed today. Partant du haut de la maison, ça a été proclamé ce matin. But still for the majority of the people. Mais encore pour la majorité des gens. The mystery is still mystery. Les mystères sont encore mystères. But for his bride. Mais pour son épouse. The mystery is over. Le mystère est fini, révélé. Because she is married by him. Parce qu'elle est mariée à lui. Amen. She is the mystery. Elle est le mystère. Amen. Amen. So he is on the way back. He is on the way back. Yeah. Son chemin de retour. 24. Verset 24. For this my son was dead and is alive again. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. He was lost. Il était perdu. And is found. Et il est retrouvé. And they began to be merry. Et ils ont commencé à se réjouir. Hallelujah. Amen. 25. Verset 25. And his elder son was in the field. Or le fils aîné était dans le champ. So many good people they are on the fields. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors dans le champ aujourd'hui. Doing a good job. Qui font le bon boulot. Like this older son was doing a good job. Comme son fils aîné qui faisait du bon boulot. Serving faithfully to his father. Travaillant pour son père de façon la plus honnête possible. Whatever father said, do it. Tout ce que le père disait, il le faisait. He did it. Et il faisait. He was absolutely obeying. Et il était complètement obéissant. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Now we are coming to the seventh step. Maintenant, nous arrivons au septième, à la septième étape. We can see a joy in the house. Nous voyons le joie dans la maison.
La joie dans la maison. Not only the son and the father, but the whole house of the father is rejoicing. C'est pas seulement le fils et son père qui se réjouissent, mais toute la maison du père qui se réjouit. Amen. It's not just a rejoicing. C'est pas seulement de la réjouissance. It's a rejoicing with understanding. Mais c'est la réjouissance avec compréhension. It was rejoicing because of the revival. Mais c'était la réjouissance à cause du réveil. Because the son that was lost. Parce que le fils qui était perdu. Is now restored. Il a été restauré. Amen. He fell down by 7 steps. Il est tombé à travers 7 étapes. But then he came the knowledge who I am. Et il est arrivé enfin à la compréhension de qui il était. And by the 7 steps. Of being son by 7 steps, he is just placed on the position of the son. Et par étant fils et à travers cette étape, il a été replacé dans la position d'être fils. He is coming back by this big journey. Il est revenu enfin à travers ces longues périodes. He is coming back with understanding. Il est revenu avec la compréhension. With the character. Avec le caractère. With the maturity. Avec la maturité. Right to the house of the father. Dans la maison du père. When he started his journey. Quand il a commencé son périple. He was the son. Il était fils. But he was the lost son. Il était un fils perdu. But now he's coming back as a restored son. Et maintenant il revient en tant que fils restauré. With the character of the father inside. Avec le caractère du père à l'intérieur. With the mind of the father was in the son. Avec les idées du père qui étaient en lui. And the whole house is rejoicing. Toute la maison était en réjouissance. There is the calf provided. Il y a un veau qui a été prouvé pour l'occasion. The food on the tables. Il y avait la nourriture sur les tables. 7-course menu food. Un menu à 7 plats. And there's a joy in the house. Il y avait la réjouissance dans la maison. And now we can see the other son. Et on peut voir maintenant l'autre fils. He's coming from the field. Il revient du champ. He's faithful. Il a été loyal. He never lost anything. Il a jamais rien perdu. He multiplied everything. Il a tout multiplié. I know it's a very hard moment now. Je sais que c'est un moment difficile pour le moment. It's very hard. C'est un moment difficile. It's very difficult. C'est un moment difficile. Because it brings a solution. Ça amène là parce que ça apporte la solution. Not on the human level. Pas non seulement au niveau des but humains. But on the God's level. Mais au niveau de Dieu. You have to come up higher. Tu dois devenir un peu plus fort. To go to the mind of God. Aller dans la pensée de Dieu. To understand that this faithful older brother. Que ce grand frère qui a toujours été loyal. He was all right. Il était juste. But he was not perfect. Mais il n'était pas parfait. Because the Bible says. Parce que la Bible a dit. And he called one of the servants and asked what these things meant. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. And he said unto him, thy brother is come, and thy father had killed and fatted calf, because he had received him safe and sound. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué un veau gras. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. He was in the condition of son. Il était dans les conditions de fils. He was doing good things. Il était en train de faire tout ce qui est bon. But he didn't have a character. Mais il n'avait pas le caractère. He didn't have an understanding of the hour. Il n'avait pas la compréhension du moment. And the mind of the father was not in that older son. Et l'esprit du père n'était pas dans ses fils aînés. But we can see that the mind of the father is in the prodigal son. Mais nous pouvons voir que l'esprit du père est dans le fils prodige. Both of them, they are sons. Les deux sont des fils. Only one is adopted. Mais un seul a été adopté. He's getting rope. Il a reçu la robe. Ring. Il a reçu une bague. And the feast. Il a reçu la fête. And there is a revival in the house. Et il y a le réveil dans la maison. I tell you, there is a house. Il y a la joie dans la maison. It is not built by the man. La maison qui n'a pas été construite par l'homme. When every stone is a living stone. Mais quand chaque pierre est une pierre vivante. The stones from the Paul's time. Les pierres du temps de Paul. The stones from the Irenaeus time. Les pierres du temps de Irénée. Martin's, Columba, Luther, Wesley. And our time. Et notre temps. Living stones. Des pierres vivantes. In the house of the Father. Dans la maison du Père. And into that house. Et dans cette maison. The Father himself is entering in. Et le Père lui-même entre dans la maison. By the triumphal capstone. Mais dans la pierre triangulaire. Upon the baptism of the Holy Spirit. Sur le baptême du Saint-Esprit. He's coming down. Il est en train de descendre. The Father is coming to his house. Le Père vient dans la maison. Not to any other house. Pas dans n'importe quelle autre to maison. To his house. Mais dans sa propre maison. And the presence of the Father. Et la présence du Père. And the restored Son. Et le Fils restauré. Cause the revival. Crée le réveil dans la maison. Amen. Amen.
Friends, we're supposed to be in the revival mood. Les amis, nous sommes supposés être dans l'atmosphère de la réveil. I mean those that were lost. Tous ceux qui étaient perdus. And they are found. Et qui ont été retrouvés. And they are placed as a sons. Et ils ont été placés en tant que fils. Something is going on right now on the earth. Il y a quelque chose qui se passe maintenant sur la terre. Amen. You say, you know, the joy. What is the joy? Vous direz la joie, mais qu'est-ce que la joie? Is a condition. C'est une condition. Of the complete restoration. De la restauration complète. Is a condition of the complete peace. C'est la condition de la paix parfaite. Amen. Is a condition of the complete reconciliation. C'est la condition d'une réconciliation complète. Amen. You know the Revelation 5:5. Vous savez dans Apocalypse 5:5. What is in the Revelation 5? C'est quoi l'Apocalypse 5? Prophet, he said the most sublime scripture in the whole Bible. Le prophète dit que c'est l'écriture la plus sublime dans toute la Bible. Amen. We can see a John. On peut voir Jean. The right apostle. L'apôtre. The faithful son. Le fils already redeemed by that day on Calvary. Il a été racheté par le calvaire. But without understanding. Mais sans compréhension. That day on Calvary. Ces jours-là sur le calvaire. Already happened when John was raptured. Mais ça s'est déjà produit quand Jean a été enlevé. But he didn't understand. Mais il n'avait pas compris. How far it went. Il n'a pas compris combien si loin il a été. No one was worthy. Personne n'a été dit. In the whole heaven. Non, surtout dans les ciels. No one was worthy on the earth. Personne n'a été trouvé digne sur la terre. The John was weeping. Et John commence à pleurer. So yeah. Sorrowful. Il s'est senti mal. Devastated inside. Il était dévasté à l'intérieur. Because John, he knew. Parce que Jean savait. If no one would rise up. Si personne ne pouvait se lever. To claim the right. De réclamer le droit. As a kinsman redeemer. En tant que rédempteur. Even in that day on Calvary happened. Même tout ce qui s'est passé sur le calvaire. It was certain process. C'était un process. Redemption. La rédemption. When the price was paid. Quand le prix a été payé. But the object was never claimed. Mais l'objet n'avait pas été réclamé. The price was paid. Le prix a été payé. That day on Calvary. Ces jours-là sur le calvaire. But the object was never claimed. Mais l'objet n'avait jamais été réclamé. So it was not the full redemption. C'était pas une rédemption complète. Until he stood up. Jusqu'à ce qu'il s'est tenu debout. The lion of the tribe of Judah. Le lion de la tribu de Juda. The only one that prevailed. La seule personne qui He stood up. Il s'est levé. He opened the seven seals. Et il a ouvert les sept sceaux. He opened the book. Il a ouvert les livres. Only one worthy. Il y a un seul qui a été trouvé digne. When John saw it. Et quand John l'a vu. He started to rejoice. Il a commencé à se réjouir. He couldn't rejoice before. Il ne pouvait pas se réjouir avant. He started to rejoice. Il a commencé à se réjouir. When he saw the work of redemption. Quand il a vu le livre de la rédemption. That the price was paid and that day on Calvary. Parce que le prix a été payé ces jours-là sur le calvaire. But the object was not claimed. Mais l'objet n'avait pas encore été réclamé. Until he opened the seals. Jusqu'à ce qu'il ait ouvert les And he gave this revelation to the seven messengers. Et il a donné cette révélation aux sept messagers. And as a vindication of that message. En tant que confirmation de ce message. The mighty angel has come. L'ange puissant est descendu. The supreme judge. Le juge suprême. He came down. Il est descendu. To confirm the message. Pour confirmer le message. The complete redemption. La rédemption complète. And then John started to rejoice. Et Jean a commencé à se réjouir. And the Bible says. Et la Bible dit. Everyone in heaven. Que tout le monde dans les cieux. On the earth. Sur la terre. And under the earth. Sous la terre. Help me. Tout le monde a crié. Hallelujah. Not only John. Pas seulement Jean. There was a supernatural group in the Revelation 5. Parce qu'il y a un groupe surnaturel dans l'Apocalypse 5. Not the heavenly group. Pas le groupe céleste. Not the angels. Pas les anges. But someone that said. You redeemed us. Ils ont dit tu nous as rachetés. Redemption story is not for the angels. Parce que l'histoire de la rédemption n'est pas pour les anges. It's for the fallen sons and daughters. C'est pour ceux qui ont les fils et les filles déchus. You redeemed us. Tu nous as rachetés. Hallelujah. Amen. It was a bride. C'était un prix. She was in heaven. Et elle était dans le haut ciel. Part of this heavenly vision. Qui faisait partie de cette. She was there. Elle était là. Before even she was
born on the avant earth. Même d'être né sur la terre. Your theophany. Votre théophanie. That was part of his theophany. Qui faisait partie de la théophanie de Dieu. Our theophany was not separated. Notre théophanie n'était pas séparée de Dieu. Because the prophet said we pass by our theophany. Parce que le prophète dit que nous passons à travers notre théophanie. From the thought we came to flesh. Par partant de la pensée, nous sommes venus à la chair. That's the reason the devil could cheat us. C'est la raison pour laquelle le diable ne pouvait pas nous attraper. But Jesus. Mais Jésus Christ. He came from the theophany. Il est venu à travers la théophanie. To flesh. Directement vers la chair. Completely the word. Il était complètement la parole. He knew the past, the present, and the future. Il connaissait le passé, le présent et le futur. We didn't know. Nous savions pas. Because of the veil of flesh. À cause de le voile de la chair. But you must understand. Vous devez comprendre. If you are a saved person today. Si vous êtes une personne sauvée ce matin. You will represent in Jesus Christ before the foundation of the world. Vous représentiez Jésus Christ avant la fondation du monde. Only way how you can be saved. La seule façon d'être sauvé ce matin. You must be predestinated to be saved. Vous devez être prédestiné à être sauvé. You mean the very attribute of God. Vous avez été la tribu de Dieu. And you've been part of his theophany. Et vous avez toujours été partie de sa théophanie. When the logos was visible. Quand le logos était visible. You've been part of him. Vous faisiez partie de lui. Because the logos means. Parce que le logos veut dire. The fullness of the attributes of God. La complétude des attributs de Dieu. If you are Christian today. Si vous êtes chrétien ce matin. You've been always. Parce que vous l'avez toujours été. But you didn't know. Mais vous le saviez pas. Until the message of that hour. Jusqu'à ce que le message de notre temps. Took away from you. A pris de loin, a pris de vous. A enlevé de vous. Oui. Your spiritual, you know. Blindness. Yeah, blindness. Yeah. A retiré de vous votre aveuglement spirituel. Amen. Was taken away from you. Il l'a retiré de vous. And now you know. Maintenant vous savez. Now you can see. Maintenant vous pouvez voir. Now you understand. Maintenant vous comprenez. Hallelujah. Hallelujah. You've been a part of the theophany of God. Vous avez toujours été faisait partie de la théophanie from de the Dieu. Beginning. À partir du début. When that theophany. Quand cette théophanie. Became flesh in Jesus. Est devenue chair en Jésus-Christ. He paid the price. Il a payé le prix. You've been part of him. Vous étiez faisait partie de lui. You've been in his loins. Vous êtes dans lui. Represented in him. Le représentant. Redeemed that day on Calvary. Vous avez été racheté ce jour-là sur le calvaire. But on the Sunset Mountain. Mais ce jour-là sur le montagne du Soleil. Il a été manifesté. When he came down. Quand il est venu. He came the head. Il est venu la tête. To marry the body. Pour marier avec le corps. The bride. L'épouse. Hallelujah. Amen. That's the reason today we are living in the days of the fullness. Je vous cela ce matin nous vivons dans la période de la complétude. All the ages. Toutes les âges. Spiritually speaking. En parlant de ma science. Are behind us. Sont derrière nous. We are called out of Laodicea. Nous sommes appelés à sortir de Laodicée. We are called to the bride's age. Nous sommes appelés à rentrer dans l'âge de l'épouse. When the fullness of time will come. Quand la complétude du temps viendra. The full adoption will come. Quand l'adoption parfaite viendra. God will recognize his sons. Quand vous reconnaîtrez que vous êtes votre fils. Because they were sons. Parce que nous sommes les but fils. They will be recognized as sons. Vous serez reconnus en tant que fils. And they will grow to a full maturity. Et nous grandirons dans la maturité. And they will become. Et nous deviendrons. The final voice. Les voix finales. For the final age. De l'âge final. The voice of the father. La voix du père. And the voice of the son. Les voix du père et du fils. Was equal. Et seront égales. On the mount of the transfiguration. Ce jour-là sur la montagne de transfiguration. Not Moses, not Elijah. Pas Moïse, pas Élie. But hear you him. Il est là. His voice. Écoutez-le. Is my voice. Sa voix, c'est ma voix. Not when he was born. Pas seulement qu'il était né. But when he was placed as a son. Mais il a été placé en tant que fils. Hallelujah. Amen. We've been born as a son. Nous sommes nés en tant que fils. But we are growing. Mais nous grandissons. To the full maturity. À la maturité parfaite. The full responsibility. À la responsabilité parfaite. Not to walk like that. Pas en train de marcher like that. Not just looking around. Pas en train de regarder autour. But to know exactly who we are. Et devons savoir qui nous sommes. The final voice. La voix finale. Of the bridegroom. De la is in the bride. La voix finale de l'époux est dans l'épouse. To call the sleeping saints. Que pour appeler les saints. Out of the graves. Pour appeler les saints qui doivent. Hallelujah! Sortir de tombe. This is our hour. Ça c'est notre temps. This is our age. Ça c'est notre âge. Two sons. Deux fils. One adoption. Une seule adoption. Amen. Amen. The voice of the bridegroom is in the bride. La voix de l'époux est dans l'épouse. Amen. The sleeping saints. Les saints qui dorment encore. They are standing for us, I tell you. Ils sont là en train de nous attendre. They know we are in Laodicea. Ils savent que nous sommes dans Laodicée. They know exactly how hard is every day. Ils savent combien c'est dur chaque jour ici sur terre. If you want to be a real Christian, si tu veux vraiment être un vrai chrétien, every day is hard. Tous les jours c'est difficile. You have to deny yourself.
Tu peux renier cela pour toi-même. Deny many false feelings. Tu peux renier plein de choses. Deny your imagination. Tu peux renier ta propre imagination. Deny the Satan's Eden. Tu peux renier la salle d'Eden de Satan. To deny the false channels. Tu peux renier les quatre chaînes. To stay tuned up with the one channel. De manière à rester droit sur une seule chaîne. To stay with the vindicated word. De rester avec la parole confirmée. So don't worry, the bride. Donc ne vous inquiétez pas, épouse. God bless you, real sons and daughters of God. Parce que vous êtes les fils et les filles de Dieu béni. Just stay in line. Restez en ligne. Walk in the line. Restez en ligne. In the final voice. In the final hour. La finale. Hallelujah. Hallelujah. That's not your fight. That's not your fight. C'est pas votre bagarre. The sonship inside. Mais la filiation. The sonship inside. La filiation que vous avez à l'intérieur. Is fighting for you. C'est pas pour vous. Amen. Amen. You've got enough potentials. Vous avez assez de potentiel. And gifts. Assez de dons. And the power of God. Assez de puissance de Dieu. And the Zoe life. Assez de vision de Dieu. To overcome enemy anytime. De pouvoir vaincre l'ennemi à n'importe quel moment. Don't waste it. Ne perdez pas cela. With the wrong land. With the wrong land. Avec la mauvaise, dans le mauvais pays. Don't waste it. Ne perdez pas cela. With the wrong people. Avec les mauvaises personnes. Stay with God. Mais restez avec Dieu. Stay in the Father's business. Restez dans les affaires de Dieu. God bless you. Et Dieu vous bénisse. God bless you. Et Dieu vous bénisse. Amen. Hallelujah. Praise to Him.